Yo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de rentabilisation d'applications, de services web. Encore une fois, tu vois, c'est une suite de vidéos là. Enfin, c'est une suite de vidéos. C'est la suite de la vidéo précédente où je t'avais expliqué deux stratégies différentes pour pouvoir justement développer tes applications. Faire en sorte que ce soit un peu plus facile pour toi si tu es développeur qui était tout seul dans ton activité ou si tu as pour intention de développer un gros business, une grosse activité autour de ça. Donc, moi, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est différentes façons. Alors, il y en a un petit paquet des façons. Différentes de, tu vois, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 façons différentes de développer le business model de ton application. Je vais essayer de te les passer en revue. Je vais te montrer ceux que je préfère. Enfin, généralement, tu vois, si tu vas tout à la fin de la vidéo, déjà, tu auras celle que je préfère. Mais je ne te dis pas quand dans la vidéo parce que je ne sais pas à quel moment maintenant je vais pouvoir te donner cette information-là. Et notamment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, tu as deux choses à faire. La première, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, éventuellement, va faire un petit tour sur la chaîne, regarde la vidéo précédente, mais juste avant, profites-en pour t'abonner, comme ça tu recevras d'autres conseils comme celui-ci sur la rentabilité de tes applications, sur comment développer tes applications, comment être plus productif, et puis aussi des petites sessions de code de temps en temps, tu vois, parce que le code, ça fait du bien, ça. Des petites lignes de 1, hein, c'est bon, toc. Et bah, du coup, tu vas retrouver tout ça en t'abonnant à la chaîne. Donc, les différentes façons de pouvoir rentabiliser tes applications sont les suivantes. Alors, peut-être que toi, tu souhaites développer une application mobile, une application web, ça peut être une application de bureau. Ces différentes façons vont plus ou moins s'adapter, d'accord? Je te montre différents business models, entre guillemets, derrière, mais bien évidemment, il y a des business models qui vont plus s'adapter, qui vont plus se prêter à certains types d'applications et d'autres un peu moins. Donc, le premier business model qui est très certainement le plus simple. Alors, on va essayer de parler autour des applications mobiles. Comme ça, on va rester focus que sur un élément. Mais bien évidemment, derrière, tu peux choisir de développer autre chose. D'accord? Moi, je te montre simplement. Attends, il y a un petit peu de soleil de ce côté-là. Donc, on va rester de ce côté-là. Mais l'idée derrière tout ça, c'est tout simplement de rester focus sur les applications mobiles et de partir sur ce postulat, sur cette hypothèse qu'on est en train de développer une application mobile et qu'on veut mettre en place un business model. Donc le premier business model qui est très certainement le plus connu, qui est très certainement le plus réputé, le plus facile aussi à intégrer parce que tu as des librairies complètes qui existent là-dessus, c'est tout simplement les ads, d'accord? De mettre de la publicité directement sur ton application mobile. Tu as déjà des frameworks tout faits en Node.js, en Java, en tout ce que tu veux, Kotlin et tout le Bataclan, d'accord? Et tu as des librairies, des frameworks qui te permettent de faire de l'intégration de publicité directement dans ton application. Alors moi personnellement, c'est pas un des business models que je préfère, mais ça peut très bien fonctionner, notamment sur les applications où tu vas avoir une espèce tu veux augmenter le nombre de likes de cette vidéo? Regarde, hop, j'ai mis un chat sur la vidéo, gars. Si je mets un chat sur la vidéo, ça veut dire que derrière, je devrais avoir des milliards de vues sur cette vidéo, tu vois. Il paraît que les chats, ça fait monter les likes. Donc éventuellement, mets-moi un petit like, chatouille les algorithmes, et puis on va voir si ça marche. Mais concrètement, n'importe quoi, cette vidéo, elle part encore une fois n'importe où, n'importe comment. Mais concrètement... la publicité, c'est pas celle que je préfère parce que bien évidemment c'est compliqué, tu es payé très peu sur chaque publicité, sur chaque clic, sur chaque vue. Enfin après ça dépend, tu as le CPC, donc qui est le coût par clic par exemple, c'est un des plus rentables parce que bien évidemment quand le gars clique sur la publicité, ça veut dire qu'il est intéressé potentiellement par le produit qui est derrière. Donc potentiellement tu génères une visite auprès de l'utilisateur final et puis boum, c'est parti. Alors après, bien évidemment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce type de stratégie, ton objectif, c'est pas simplement de faire une application pour que le gars l'utilise, c'est vraiment d'avoir une application qui a pour objectif de faire la promotion de d'autres applications. Voilà, c'est un petit peu l'idée. C'est une application un peu junk application, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et donc l'idée elle est là, c'est de mettre de la publicité. C'est facile à mettre en place, c'est facile à intégrer et il faut que ton application soit suffisamment virale en fin de compte parce que tu vas être payé sur la quantité de clics. Donc ça veut dire qu'il faut que ton application fasse des milliers de téléchargements et il faut que tu aies des utilisateurs derrière qui puissent tout simplement consommer cette application là. Alors après, tu as un autre level au niveau justement de ce business model, c'est toujours de mettre de la
publicité dedans, mais tu le vois sur certaines applications qui le font, c'est-à-dire que bah elles vont mettre beaucoup de publicité, tu vas avoir beaucoup de publicité, ça va être même limite chiant, c'est chiant à utiliser, c'est pas facile. Tu fais une action, bim, t'as une publicité, tu fais une autre action, bim, t'as une autre publicité. C'est une application d'Instagram par exemple qui le fait très bien, qui te permet de resize les vidéos, de mettre des petits filtres, je sais plus comment ça s'appelle InstaSize, un truc comme ça. À chaque action, tu as une publicité, d'accord ? C'est-à-dire que tu fais, bon, alors tu fais tout ton machin, là, tu fais toute ton image, et boum, quand tu veux enregistrer, toc, c'est parti, tu as une publicité. Quand tu veux ouvrir un truc, boum, c'est parti, tu as une publicité. Et ce qu'il te propose en contrepartie, justement, parce que ça, c'est chiant, au bout d'un moment, ça énerve, tu vois, si tu l'utilises tout le temps, si c'est ton outil quotidien, eh bien, ce que tu peux faire, c'est directement acheter l'application. Donc là, du coup, tu as un business model qui va s'associer à un autre business model. Là, ça devient intéressant parce que, alors, ça devient intéressant où Tout dépend de ta stratégie aussi, encore une fois. Encore une fois, tout ce que je te dis, d'accord, c'est pas des vérités absolues, d'accord. C'est pas des trucs, il faut absolument les appliquer. Il faut réfléchir aussi derrière un minimum. Et généralement, quand on est développeur, on réfléchit un peu, tu vois. On est des gens qui disent, attends, bouge pas. Tu sais, à la Indiana Jones, ce qui est en train de sous-évaluer, enfin, de d'estimer le poids de son sac par rapport à la statuette d'or, tu vois. Bah, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir et il y a un contexte à prendre en compte derrière. Si toi, ton contexte, c'est de faire en sorte d'avoir un achat app direct, dans ces cas-là, oui, effectivement, ça peut être intéressant. Maintenant, si ton objectif, c'est simplement de pouvoir justement continuer à avoir du clic sur tes publicités ou avoir des vues sur tes publicités pour pouvoir être rémunéré et toucher un espèce de récurrent, entre guillemets, concrètement, dans ces cas-là, ce business model, il n'est pas fait pour toi. C'est-à-dire que ton intérêt, ce n'est pas que l'utilisateur aille acheter ton application à la suite de ça. Donc ça, c'est le deuxième business model qui me semble intéressant et qui est un juste milieu, en fin de compte, avec la publicité. Après, le troisième business model, qui est très certainement un business model qui est assez connu, d'accord, qui est tout simplement le fait d'acheter l'app dès le départ. Boum, c'est-à-dire que tu ne donnes pas la possibilité à la personne de l'utiliser autrement que par l'achat. Notamment, si tu regardes bien un petit peu les applications sur iPhone, enfin sur iOS, la plupart du temps, c'est des applications que tu achètes tout de suite. Tu n'as pas de. Tu as peut-être une version de test d'un mois, d'accord, mais tu n'as pas de possibilité d'avoir de la pub ou des machins comme ça qui rendraient crado un petit peu la publicité, l'application. Donc, tu as la possibilité de l'acheter. Alors, c'est quelque chose, tu vois, encore une fois, il y a une stratégie derrière aussi à avoir, tu vois, il y a une réflexion à avoir aussi. Si tu es sur iOS, c'est quelque chose qui va être simple à mettre en place. C'est-à-dire que, concrètement, les personnes qui sont sur Android, elles sont pas habituées à acheter leur application tout de suite. Elles sont plutôt habituées à télécharger l'application, potentiellement à tester, voir de la pub dans tous les sens. Et puis si un jour ça les gaffe, boum, ils achètent l'application. Par contre, si tu es sur iOS, l'utilisateur est un peu éduqué. Tu vois, ils ont réussi à éduquer le consommateur à acheter les applications sur ce type de plateforme-là. Et ils ont été très bons là-dessus. Donc, concrètement, ça veut dire que ce business model-là, il sera peut-être un peu plus adapté sur un contexte iOS que sur un contexte Android. Donc après, libre à toi, en fin de compte, de faire une espèce de mixte, c'est-à-dire que les personnes qui sont sur Android vont avoir l'espèce de truc publicité plus achat de l'application derrière, et les gens sur iOS, directement, boum, t'achètes l'application. Tu vas me dire, ouais, mais attends, c'est pas juste, le mec qui est sur Android, il peut avoir l'application gratuitement pendant un moment, et puis il peut la tester et tout ça, et sur iOS il peut pas. Oui, mais tant pis, le gars il a choisi, gars. Enfin, franchement, il a choisi d'acheter un iPhone à 1200 boules, d'accord, et puis il a choisi d'ailleurs de payer, de continuer à payer, c'est son choix, il fait ce qu'il veut. Maintenant, il assume son choix, d'accord. Donc toi, derrière, sur ton business model, tu mets en place ce que tu veux. Donc concrètement, tu as ce principe-là. Ensuite, le troisième cas, tout dépend, là, pour le troisième cas, le quatrième cas, tout du moins, tout dépend de l'application que tu es en train de mettre en place. Notamment, je pense que ce cas-là, c'est un cas qui va être vraiment spécifique pour les applications de type jeu mobile, tu vois, et c'est les achats intégrés. Les achats intégrés qui sont tout simplement, tu vois, tu es sur Candy Crush, là, bam, 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 tu mets des bonbons dans tous les sens, toc, et puis tu as du mal à peut-être débloquer
débloquer un niveau. Enfin, je sais même pas, j'ai jamais joué à Candy Crush, tu me diras si je me trompe. Mais concrètement, derrière, tu joues au jeu de petits bonbons, puis bah, pour pouvoir passer un niveau supplémentaire, tu payes, tu t'achètes des petits bonbecs ou des machins comme ça. Enfin, je sais pas comment ça se passe sur ce jeu-là. Et puis bah, concrètement, tu achètes. Enfin bon, sur d'autres jeux, par exemple, tu vas acheter des pièces d'or, tu vas acheter, je sais pas, un nouveau skin ou des machins comme ça. Et donc, bah, concrètement, ça te fait plaisir. Donc, tu les achètes et bah, tu mets ton business model là-dessus. C'est-à-dire que tu vas vendre du contenu dans le jeu vide, dans le jeu. Donc, le jeu en lui-même est gratuit. Potentiellement, tu peux faire encore une fois un combo, c'est-à-dire un petit peu de publicité et puis des achats intégrés. C'est une possibilité, d'accord ? Et généralement, c'est ce qui se fait aussi. C'est-à-dire que, alors, il y a une statistique qui sort là-dessus. Là, j'y pense là tout de suite maintenant. Mais concrètement, il y aurait. Si je me trompe pas, éventuellement, si je me trompe, dis-le moi dans les commentaires encore une fois. Mais je crois qu'il n'y a que 6% des personnes qui vont utiliser l'achat in-app, d'accord ? Donc ça veut dire que bah, 6%, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais c'est énorme. C'est énorme en termes de consommation parce que généralement, ça c'est un effet psychologique humain, d'accord ? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que généralement, une personne qui va acheter une fois chez quelqu'un a de très fortes chances de venir acheter à nouveau. C'est un petit peu comme l'addiction au jeu d'argent. C'est-à-dire que tu fais la roulette, là, boum, hop, tu mets un euro, toc, t'as perdu, tu remets un euro, boum, t'as gagné, ah, t'étais content. Donc t'as une espèce de machin qui se met en place dans ton cerveau. Bon, je te fais pas toute la partie psychologique, hein. Éventuellement, si tu veux regarder les livres de psychologie, t'as influence et manipulation, t'en as plein comme ça. Et donc, tu vas mettre en place une certaine forme d'addiction en fin de compte au niveau de l'utilisateur, du joueur. Et bah, quand il va acheter une fois, il va potentiellement acheter deux fois, acheter trois fois parce que ça va être facile pour lui, tu vois. Ça va être facile de pouvoir acheter des jetons supplémentaires, des machins qui vont débloquer son jeu de façon plus rapide, etc. etc. Donc vraiment, ce système-là, les 6%, effectivement, c'est 6% uniquement des joueurs qui achètent, mais ces 6%-là ont tendance à acheter régulièrement, ce qui va te faire un revenu qui va être plus ou moins régulier, qui va être plus ou moins stable pour ton application. Et c'est pour ça que des grosses sociétés de jeux mettent en place ce système-là, parce qu'elles savent très bien, elles savent pertinemment derrière que les joueurs, à un moment ou à un autre, tu vois, tu vas te dire non, je n'achèterai jamais sur ce type de jeu-là, c'est pas possible. Et puis, bah, à un moment ou à un autre, tu es bloqué, ou tu as besoin d'avoir un truc tout de suite, parce que ça fait suffisamment longtemps, tu as attendu, tu es au bord du gouffre et tout ça, tu dis si tu ne l'as pas, oh là là, qu'est-ce que ça va être, ça va être la fin du monde. Bah boum, tu te dis attends, écoute, bouge pas, je peux bien dépenser 2-3 euros, boum, pour acheter ça, et puis boum, c'est parti, j'ai ce que j'ai voulu avoir, tu vois, ce que j'ai toujours voulu rêver avoir sur ce jeu-là. Eh bien, sache que ça fonctionne, c'est de la psychologie, c'est des algorithmes derrière qui tournent, qui permettent justement de faire en sorte que ton jeu devienne un peu plus compliqué au fur et à mesure que tu vas avancer, qui va devenir suffisamment compliqué pour que potentiellement tu réussisses, mais que tu ne réussisses pas tout de suite, que ça te fasse mettre en attente, et ce qui permet justement de créer l'addiction et tout ça. Candy Crush le fait très bien, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là au départ, c'est-à-dire que tu montes en niveau, tu montes, et puis tu arrives à un moment, étrangement c'est super dur, à un moment tu y arrives, et puis hop, le niveau d'après, boum, ça redescend d'un coup, et là c'est easy quoi, tu te dis, mais je comprends pas comment j'ai galéré juste avant, alors que par la suite, boum, c'est facile. Donc tu vois, ça crée de l'addiction, ce système-là, et cette addiction entraîne potentiellement l'achat justement de petits machins, de petits éléments dedans. Tu vois, j'ai ma petite note ici, là, tu vois, sur une enveloppe pour recyclage, toc. Donc, les achats intégrés. Et le dernier point, alors c'est mon préféré, hein, bien évidemment, je l'ai gardé pour la fin, c'est celui que je préfère parce que ça te permet, en fin de compte, ça rentre dans mon optique, dans ma logique, dans ma vision de ce que peut être un business, c'est le revenu passif, d'accord ? Je suis pas là pour te faire rêver, attention, oui, je mets une petite note, parce que quand tu commences à parler de revenus, de machin comme ça, tu as tous les haineux de la terre entière qui viennent sur ta vidéo en disant « Ouais, attends, tu gagnes du pognon, en plus il y a le Covid, c'est immoral et tout ça, enfin moi, tous ces mecs là, j'ai pas de yacht, hein, d'accord, comme je dis à chaque fois, hop, j'arrive ici, à cet étang là, tu vois, à cette étape là, je dis, ah, j'ai pas de yacht, j'ai un grand étang et j'ai une île, tu vois, donc j'ai mieux qu'un yacht, j'ai une île, mec, je la fais, j'aime bien cette petite blague là, je la fais à chaque fois, si tu regardes sur les autres vidéos, quand je passe par là, boum, je le fais, bon, je vais arrêter de le faire au bout d'un moment, mais concrètement, le dernier, celui que je préfère, qui permet de générer des revenus passifs qui sont quand même un peu plus stables que absolument tous les autres revenus qu'on a vus
dans cette vidéo, bah, c'est tout simplement l'abonnement. C'est de créer un service par abonnement. Et tu en as plein. Encore une fois, le service par abonnement fonctionne très bien sur iOS, je trouve. Fonctionne mieux sur iOS, ou du moins. Pour une simple et bonne raison, c'est que les personnes sont éduquées justement à cette notion de payer pour avoir un service derrière. Bien évidemment, il faut que tu fournisses un vrai service, mais des fois, tu as des services un peu bidons. Notamment, moi, j'avais testé une application de productivité sur iOS, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc du coup, je te ferai pas la promotion de cette application parce qu'en plus, j'ai trouvé nul à chier. Mais l'idée étant derrière, c'est que tu payais... Alors tu vois, eux, ils te faisaient payer 50 euros à l'année. Ce qui n'est pas excessif en soi, hein, tu vois. Enfin, tu pouvais soit payer au mois, et dans ces cas-là, c'était 5 euros, je crois, et puis à l'année, c'est 50 euros. Enfin, il y a un truc comme ça. Enfin, tu as toujours un paiement plus important au mois et à l'année. Et donc, concrètement, bon, bah, voilà, j'avais acheté l'application à l'année, et puis je me suis aperçu au bout de un mois, enfin, au bout de 7 jours, parce que tu avais 7 jours d'essai, au bout de 7 jours, que finalement, c'était pas top. Alors, c'était suffisant au bout de 7 jours pour dire, ouais, c'est pas mal comme application, tout ça. Puis au bout de 7 jours, c'est chiant parce qu'en fin de compte, ce type d'application sur la productivité, c'est pas ça qui va te faire que tu vas être plus productif ou quoi que ce soit. C'est simplement une histoire plus personnelle, plus au niveau de toi, et c'est à toi de faire ton système de productivité. Donc après, j'ai laissé complètement tomber ce type d'application. Mais néanmoins, voilà, ça veut dire que sur ce principe-là, tu peux gérer des abonnements via ton application. Et là où ça devient intéressant, c'est que tu peux faire deux business models, parce que l'idée, c'est de toucher absolument tout le monde. Tu as la personne qui va voir ça très bien sur le long terme, et notamment par exemple tu vas proposer deux systèmes d'abonnement. Le premier système d'abonnement, c'est le système d'abonnement qui va être mensuel, par exemple 10 euros par mois, d'accord. Et tu vas avoir le deuxième système d'abonnement. Alors généralement, le deuxième système d'abonnement, c'est annuel, mais il va être un peu moins cher si tu le prends à l'année. C'est-à-dire que concrètement, au lieu de payer 120 euros parce que tu payes 10 euros par mois, tu payeras peut-être que 100 euros. Donc, tu auras économisé 20 euros sur ton abonnement. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne, ce qui permet en fin de compte de toucher deux profils. Le profil gars qui veut faire des économies et puis qui va acheter à l'année et puis boum, c'est parti. Et puis le profil du mec qui va prendre tous les mois et puis bah, qui peut se désabonner de n'importe quand. Donc, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est plutôt intéressant là-dessus. Tu peux uniquement mettre en place un abonnement à l'année. Ça, c'est une autre stratégie à prendre en compte. C'est-à-dire que concrètement, tu vas dire, bah, tu payes 90 boules tous les ans et puis c'est tout. Tu ne peux pas payer mensuellement, d'accord ? C'est pas une possibilité, tu lui offres pas cette possibilité-là. Et ce qui se passe derrière, c'est qu'en fin de compte, au bout d'un an, boum, tu renouvelles ton abonnement, mais le gars, il s'en rappelle pas, tu vois. Il s'en rappelle pas. Et quand bien même, d'ailleurs, tu vois, alors il faut être clair avec le client, hein, faut être correct avec le client, une semaine ou deux semaines avant, tu lui envoies un petit mail en loose day en lui disant attention, ton abonnement va se renouveler, donc profites-en pour soit résilier maintenant, ou alors dans ces cas-là, tu continues avec nous. Bon voilà, faut être très clair avec lui. Généralement, ces mails-là, ils sont envoyés en loose day, c'est-à-dire que tu sais, ils ont un sujet pas suffisamment choquant, c'est pas du putaclic, c'est tout simplement un mail institutionnel, boum 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 boum, t'as les explications à l'intérieur, etc. Et ça s'arrête là. Un petit peu comme les mails d'Apple quand tu reçois tes abonnements, tu vois, tu sais pas trop sur quoi, t'as un prélèvement sur quelque chose, mais tu sais pas trop sur quoi, il faut que t'ailles voir dans ton service de désabonnement, etc. Bah, c'est à peu près la même chose. Ce type de mail est fait de telle sorte à ce que tu t'ailles pas le lire complètement et tu te dis ouais, non, mais ça c'est un email, on s'en fout, tu vois, bon, c'est parti. Et puis derrière, pouf, tu as ton abonnement qui vient tomber. Et très souvent, tu as des personnes qui renouvellent leur abonnement tous les ans sur plusieurs années de suite. Tu t'aperçois au bout d'un moment que tu payes depuis des années, mais que tu n'utilises pas du tout le service, tu vois. Et ça, c'est une autre stratégie à mettre en place. Tu peux aussi utiliser ça, ce qui est plutôt pas mal. Et ça veut dire que tous les ans, tu vas avoir des revenus. Et au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première année, c'est pour ça que j'aime bien ce système justement de revenus récurrents. C'est que t'as pas besoin de trouver énormément de clients pour pouvoir vivre de ton activité. Imaginons que tu fasses, je sais pas, un abonnement de 10 euros, tu trouves déjà 100 personnes, ça te fait déjà un paquet de fric, tu vois, par mois. Donc si tu trouves 100 personnes dans le mois sur 10 euros, alors je prends 10 euros parce que généralement c'est ce type d'abonnement là, d'accord, mais si tu prends des abonnements à 25 euros, bien évidemment t'as beaucoup moins de clients à trouver, donc plus ton abonnement va être élevé, plus ça sera facile de trouver, d'avoir une source de revenus importante. Je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit plus ton abonnement va être élevé, oui c'est ça, ouais. Plus ton abonnement va être élevé, plus ça va être facile de toucher des revenus importants avec un minimum de clients. Voilà, c'est plus ça le sens de la phrase. Maintenant voilà, si tu touches, si tu as 100 personnes à 10 euros, tu te fais 1000 euros par mois, c'est pas mal pour une application. T'en développes une autre à côté, et puis boum, c'est parti, t'as deux applications à peu près 1000 euros à chaque fois, tu vois. Donc ça veut dire que tu peux toucher un récurrent, et même si tu fais cette stratégie à l'année, d'accord, si tu fais cette stratégie à l'année, c'est exactement pareil.
et tu fais une stratégie qui te paye 90 euros à l'année, mais tu vas trouver un premier client, tu vas peut-être trouver par exemple, allez, on va dire, tu vas trouver 10 clients le premier mois, 10 clients le deuxième mois, etc. etc. Donc effectivement, tu ne vas pas toucher un récurrent sur les 10 premiers clients du premier mois, mais l'année suivante, une année supplémentaire, ça va être 900 boules qui vont tomber d'un coup comme ça, boum, tous les mois, parce que bah, il va y avoir les renouvellements qui vont arriver au fur et à mesure. Et plus tu vas te faire connaître, plus ton revenu va augmenter dans le courant de l'année. Donc c'est là où ça devient intéressant justement de peut-être de mettre une stratégie d'une année à l'autre en termes d'abonnement. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire sur les différentes sources de revenus que tu pouvais mettre en place. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager à des personnes qui veulent développer leur business en ligne basé sur des services web, tu vois. Je pense que ça peut vraiment être des vidéos constructives sur lesquelles on peut débattre, sur lesquelles on peut peut-être ajouter des business models. Tu peux en rajouter dans les exemples si tu veux, enfin dans les exemples dans les commentaires. Et ça va permettre de pouvoir construire en fin de compte un truc super solide de façon à ce que chacun puisse apporter de la pierre à son édifice, donner son retour peut-être sur chacun des business models, tu vois, expliquer. Et puis, de pouvoir faire construire cette vidéo par le fait que on fasse un peu un espèce de wiki, tu vois, un wiki d'idées que l'on pourrait mettre sur chacune des vidéos. Donc n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à la liker, puis n'hésite pas à t'abonner, hein, si t'es pas encore abonné à ce moment-là de la vidéo, à la 20e minute, prends le temps de t'abonner et de recevoir les prochains conseils, les prochaines vidéos où on va parler de business, de psychologie un petit peu, tu vois, il y a tout ça et lié dedans aussi, tu vois. Business, psychologie, développement, technique, voilà, il y a plein de choses à voir en fin de compte dans le milieu du développement et je pense qu'on peut venir enrichir tout ça ensemble et tout ça, si tu peux me suivre sur cette chaîne-là, ça permettra pour toi de recevoir les prochaines choses et puis en plus, comme je publie en ce moment régulièrement, ça te permet de recevoir directement les notifications sur ton téléphone mobile. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à plus tard. Ciao, bye!